Oui. Je vous demande d'accueillir Monsieur Arnaud Pommier d'Elanplast ID. La scène est à vous. Ma télé retransmet votre pitch qu'on pourra voir sur les grands écrans qui sont au milieu. Donc, si vous pouvez vous positionner par là, parce que pour la lumière, c'est mieux. Parfait. Et on vous écoute. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Arnaud Pommier. Je suis le gérant de la société Elanplast ID. Nous sommes pas sur le territoire, nous sommes basés sur Arras et nous sommes spécialisés dans l'impression 3D. Alors pour le coup, nous sommes vraiment un petit poussé puisque Elanplast ID actuellement c'est 4 salariés. Nous avons une usine d'impression 3D puisque nous sommes sur un emplacement qui de 400 mètres carrés qui est consacré uniquement à cette technologie. Vous avez quelques images de nos ateliers. Nous proposons des services de bureau d'études et de fabrication de pièces au travers donc de cet outil de production. Nous souhaitons effectivement proposer un maximum de services auprès de nos clients industriels et pour ce faire donc nous avons regroupé au sein de cet atelier des machines de production professionnelles et diverses technologies pour le moment consacré uniquement donc à l'impression plastique ou composite, mais effectivement on est sur pas mal de technologies différentes et on essaie de pouvoir diversifier également les matériaux utilisés pour pouvoir répondre un peu à tout type de besoins. Nous sommes également bureau d'études, alors on va pas faire de la conception de machines. Par contre, on va effectivement travailler avec nos clients pour résoudre des problèmes ponctuels sur de l'outillage, sur de l'aménagement de postes de travail, sur des questions d'ergonomie, de sécurité parfois. On travaille pour l'industrie au sens large, puisque effectivement on a des clients industriels dans plein de secteurs d'activité allant de l'automobile, l'agroalimentaire, etc. Mais on a aussi des clients qui sont des professionnels, par exemple des cabinets d'architecture ou autres. Nous avons aussi, alors il existe, je le disais, plusieurs technologies d'impression 3D, chaque technologie étant plutôt hyper spécialisée, et nous avons donc choisi, pour pouvoir répondre à un panel plus large de clientèle, de nous regrouper au sein d'un GIE que nous avons créé en 2015 et qui actuellement regroupe 4 sociétés des Hauts-de-France, permettant aussi de proposer donc des matériaux plus technologiques, éventuellement de l'impression métal, puisqu'on a un partenaire qui est spécialisé là-dedans, ou de l'impression large scale avec une imprimante entre autres 1 mètre cube qui nous permet effectivement d'aller aussi sur des domaines un peu plus éclectiques tels que la reproduction d'œuvres d'art par exemple. Nous proposons tous les services associés à l'impression 3D tels que, je le disais, la conception, la modélisation, le scanning 3D, la photogrammétrie, y compris la photogrammétrie drone par exemple, pour reproduire par exemple des maquettes de bâtiments, ou de la modélisation de bâtiments dans le but de l'utiliser dans des systèmes BIM, mais on réalise également toute la partie post-traitement sur de la colorisation, de la mise en peinture, de l'assemblage. Et au niveau assemblage, on a également une deuxième société qui elle est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques par usinage, les deux technologies étant réellement complémentaires. Alors pourquoi nous sommes sur
ce salon aujourd'hui de la robotique. Nous sommes également membres du club robot numérique. C'est un secteur dans lequel nous pouvons effectivement, au travers des technologies d'impression 3D, amener des solutions sur de l'outillage très spécifique, sur de la petite série. On sait également que l'impression 3D permet de résoudre certains problèmes sur de l'optimisation de structure et de l'allègement de structure, puisqu'on sait qu'au niveau de l'impression 3D, les problèmes d'inertie sont importants, et donc plus les outillages sont légers, plus on va aussi pouvoir transporter de la charge utile. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter, à venir nous voir sur notre stand si vous voulez échanger. N'hésitez pas non plus à nous solliciter si vous souhaitez venir voir nos installations qui sont relativement uniques en région. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, la société Élan Plastidée que vous retrouvez sur ce village Smart Industrie. 10h30, il est temps, si vous le souhaitez, de faire vos précommandes de déjeuner. Vous avez la possibilité de précommander pour éviter évidemment la file d'attente et le rush habituel du déjeuner. Donc vous pouvez précommander sur les espaces de restauration. Prenez le temps aussi de télécharger l'application. Prenez le temps d'échanger avec vos contacts dans l'application. On se retrouve dans une demi-heure pour une table ronde animée par Arnaud Riquier sur les territoires d'industrie. Pour tout savoir sur ces fameux territoires d'industrie et tout ce que ça implique et tout ce que ça peut apporter aux industriels, à la robot numérique et aux territoires de l'agglomération du Saint-Quentinois. A tout de suite.